Salut à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pas aujourd'hui sur une vidéo Clash of Clans, ça va être une vidéo assez particulière. J'ai découvert ce jeu, enfin quelqu'un de ma famille ou mon grand frère, comme vous pouvez pas le savoir, voilà, m'a fait découvrir ce jeu. Il y en a beaucoup d'autres, enfin il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont parlé de ce jeu, mais je ne connais absolument pas. J'ai essayé, mais vaguement en fait, ça m'a pas, sur le coup, ça m'a pas trop intéressé. Mais franchement, je voudrais bien essayer de le découvrir avec vous et après vous me dire ce que vous en pensez de ce jeu. Si ça vaut le coup que je continue ces vidéos sur ça aussi, plus Clash of Clans, plus tout le reste. Donc après, ça sera à vous de me dire si cette petite aventure suivie vous plaît, oui ou non. Donc voilà, donc je vais découvrir en même temps que vous, parce que j'ai joué mais j'étais au travail, j'ai regardé vaguement vite fait, j'ai fait bon, dès que j'aurai un moment j'essaierai de faire une vidéo sur ce jeu. Et depuis je l'ai oublié, là je me suis remis, putain c'est vrai, il y a Domination, donc le jeu s'appelle Domination, non je rigole, Domination, après vous le prononcez comme vous voulez bien évidemment. Donc on va se lancer dans l'aventure ensemble. Donc vous me direz, Boombish, j'ai arrêté parce que ça sert strictement à rien. Je continue Boombish, personne n'aime ce jeu et moi j'ai pu avancer un peu de mon côté. Et non, franchement, non, ça m'intéresse absolument pas. Voilà, donc aujourd'hui, désolé, je mets pas ma cam parce que là on découvre le jeu. Je voudrais bien vous montrer le jeu au complet, enfin, que vous ayez l'écran en entier, que vous voyez bien les détails du jeu, etc. Je voudrais pas vous mettre ma tête sur cet épisode. Après, bien évidemment, si l'épisode vous plaît, l'aventure suivie vous plaît, au fur et à mesure du temps, je mettrai ma cam. Comme j'ai fait au début sur Clash of Clans, au début, il n'y avait pas ma cam. Mais là, on fera le même principe. Si ça vous plaît, on se lancera. J'essaie de vous proposer plusieurs trucs, enfin, plusieurs jeux autres que Clash of Clans. Parce que Clash of Clans, c'est bien, mais après, il faut peut-être passer un peu à autre chose. Faut essayer plusieurs jeux. Voilà, mais après, ma chaîne, c'est pas consacré que sur Clash of Clans. Moi, je vous propose du Clash of Clans, mais il y aura un peu de tout. Là, j'ai plein de projets à essayer de vous montrer quelques jeux que j'ai pu découvrir. J'ai essayé, après, je sais pas si vous connaissez ou pas, j'ai essayé Dofus. Dofus, je me suis lancé dans le jeu. Ça va à peu près, j'aime bien le principe du jeu. Bon, là, comment dire? C'est pas l'objectif de la vidéo de vous parler de Dofus, mais bon voilà, bref, c'était un exemple, j'ai Dofus, j'ai encore plein de jeux à vous faire montrer, franchement, je voudrais bien les découvrir en même temps que vous. Ça serait plutôt sympatoche, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on va commencer. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nous arrivons dans une forêt, on voit des cerfs, des biches, des ouvriers qui marchent, et le jeu, il a l'air un peu vivant, à ce qu'on peut voir. Donc là, on voit là le lapin, des biches, donc voilà. Après, en haut, aube de la civilisation, donc comme vous pouvez le voir, je suis niveau 1. Après, c'est à peu près, je pense, comme Clash of Clans. Là, en haut, 4 sur 4, j'ai directement 4 ouvriers au lieu d'avoir 2 ouvriers comme dans Clash of Clans. On verra ce que donne ce jeu au fur et à mesure. Donc après, là, je pense que ça doit être les gemmes, 50 gemmes. Là, c'est l'élixir, je pense. Ça correspond à l'élixir, le poulet que vous voyez là, max 0. Et l'or, ça correspond à l'or dans Clash of Clans. Voilà. Donc on va commencer. Alors, le papy nous parle et nous dit: voici venu l'aube de la civilisation, je suis Pompée le Sage. Votre conseiller, votre tribu de nomades a besoin d'un abri où dormir. Touchez ce tas de bois pour commencer. Ok, donc là je sais pas si ça ressemble évidemment à un tas de bois, mais bon, on va cliquer dessus. Alors à présent, touchez le bâton bâtir. Alors, touchez le tas de bois, tatac, j'ai cliqué sur le tas de bois, et là on va cliquer sur bâtir. Ok, placez la maison à l'endroit de votre choix, puis touchez la coche verte. Ok, donc bon, bah pour l'instant, vu que j'ai pas. Ça doit être, je pense, ça doit être un hôtel de ville, à vue d'œil comme ça, je sens bien. Donc, à votre choix, puis touchez la coche verte. Ok, on va toucher la coche verte, voilà. On a créé notre petite maison. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas à une maison, ça ressemble plutôt à une cabane. Mais bon, vous avez bâti votre première maison. Les bandes chanteront votre exploit pendant les siècles. Bâtissez-en une autre en touchant le second tas de bois. D'accord, donc on va retoucher un second tas de bois, bâtir. N'oubliez pas de toucher le bouton bâtir. Voilà. Et une fois la maison placée à l'endroit, vous touchez la coche verte. Ok, ah mais j'ai deux maisons, donc deux hôtels de ville. Je pense pas que ce soit une maison ça. Je pense pas que ce soit un hôtel de ville. Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Parce que j'ai essayé, comme je vous ai dit, je vais essayer à peu près, mais ça faisait un petit moment. Vos hommes ont besoin de vivre. Ordonnez-leur de chasser ce daim. Touchez le daim. Ok, ah donc on peut chasser. Donc ouais, d'accord, les daims, je pense que ça va plutôt être l'élixir là. Alors. Voilà. À présent, touchez le bouton chasser pour affecter certains de vos citoyens à cette tâche.
Ok, donc là ça me prend. Ah d'accord, ça m'en prend deux, d'accord, carrément. 4, je suis passé à 2 ouvriers. Ok, donc j'ai récupéré 61. 61 de viande. Ok, chasser deux autres animaux en procédant de la même manière. Ok, bon, on va essayer. Un autre daim. Tant qu'à faire, on va essayer un autre daim. Et après, on va tuer un lapin. Là, ah, est-ce pour ce petit bruit bien dérangeant? Hop, c'est coupé. Comme ça, c'est fait. Heureux, excusez-moi, comme vous pouvez le voir, le jeu a bugué. Donc d'accord, le jeu a totalement bugué. Alors comme vous pouvez le voir, je suis retombé à zéro. Donc excusez-moi encore. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va recommencer, toucher le daim, chasser le daim, d'accord, allez, tue-le. C'est bien vivant quand même. Franchement, c'est bien vivant. Voilà, nanana, deux autres traces, d'accord, on m'avait dit ça. Et un lapin, on avait bien dit un lapin. Je sais pas ce qui s'est passé, l'application, boum, tout a crash. Comme ça, c'est fait. Non, reviens par là, toi, lapin. Ok, donc là, on va chasser le lapin. Donc là, il m'en prend qu'un. Ah, donc d'accord, plus c'est gros, en gros, plus les ouvriers. Plus on prend d'ouvriers, au fait. D'accord, donc là, lapin, pas besoin d'être plusieurs. Des arbres à fruitiers. Ok, produisent également des vivres au travail. Ok, donc on va prendre des fruits, les cueillir, bien évidemment. Et voilà, le travail, quelques plaisirs à regarder les autres s'affairer, c'est le privilège des rois. D'accord. Ok. À présent, nous pouvons agrandir le village. Pour ce faire, il vous faut d'abord déblayer la forêt. Ok, il faut que je déblaye une forêt. Ok, on va déblayer. Déblayer la forêt environnante pour découvrir de précieux trésors et libérer de l'espace pour votre nation à venir. Ok, donc on va toucher. Ça me prend 3 ouvriers. Et ça me met sans or, sans d'or. Ok. Ah, pas mal. Le déboisement libère de l'espace ou aménager des bâtiments. Parfois, vous découvriez également des ressources au passage. Waouh! Il y avait une mine d'or cachée dans la forêt. Touchez-la pour commencer à l'exploiter. À présent, touchez le bouton extraire pour chercher de l'or. Ok, on va extraire pour avoir de l'or. On va mettre ça là. Je savais qu'on pouvait le dépasser. Vous trouverez également des dépôts d'or dissimulés dans les forêts. Ok, donc dans les forêts, arbustes. Vous pouvez continuer à chasser et à explorer les environs si vous le désirez. Touchez le bouton boutique pour passer à l'étape suivante. Ok, bah avant de passer, avant de tout faire, je vais essayer de comprendre ce que c'est ça, des petits amphores. On va l'ouvrir, hein, ça me demande pas beaucoup. Petit coffre. Bon, on va essayer d'ouvrir le coffre après. Ouais. D'accord. 18 secondes. Donc je peux en ouvrir un autre pour l'instant. Voilà, tac. Et petite, on va ouvrir ça pour l'instant en tant qu'affaire. Au pire des cas. Écoutez-moi cette petite musique schizophrénique, comme vous pouvez l'entendre. Bon, il y a une petite bonne ambiance, ça va. C'est franchement là. Là, pour l'instant, je peux pas juger le jeu, j'ai pas encore. Je dirais à la fin de l'épisode que pour l'instant, de cette première impression, la première petite note que je peux donner à ce jeu, on va dire. Voilà, donc ça c'est fait. L'arbuste, on va ouvrir le coffre en vitesse là, pour 30 secondes. Là, on va pas déblayer les armes maintenant. Je sais pas ce que. Je sais pas si ça donne déjà comme dans Clash of Clans. Ah bah là je suis nourriture, je suis max. Ok, boutique. Alors, à présent, toucher l'icône de la cité. D'accord, donc là, ça va être mon hôtel de ville, si j'ai bien compris. Cité, hôtel de ville. Je pense bien. Ouh là là. Après, je sais pas, j'ai peut-être des conneries. Aube de la civilisation. On va le mettre là pour l'instant, en tant qu'affaire. Disposez la cité à l'endroit de votre choix, puis touchez la gauche. Ok. La cité est le centre névralgique de votre nation. À ce titre, vous devez en prendre grand soin. C'est ici que votre civilisation évoluera à travers les âges. D'accord, donc on commence à l'âge de Cro-Magnon et on va atterrir dans un hôtel de ville dans les années 2015, si j'ai bien compris. Donc. Ça va évoluer au fur et du temps, en fait, quand j'aurai des pierres, des bois, tout ça, etc. On verra. Franchement, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal, on va dire. Pour l'instant. La cité est le centre neuronal. Ok, à travers. Continuez. Un beau travail, à présent, il s'agit d'accroître votre population pour bâtir et de rassembler des ressources. Construisez une maison pour attirer des citoyens.
Alors, trésor, bon, ça, comme vous pouvez le voir, c'est à payer, je pense. Économie, maison. On va reconstruire une maison, d'accord. On va la mettre là, pour l'instant. Plus vos citoyens sont nombreux, plus vous pouvez entreprendre de projets simultanément. Touchez le bouton boutique pour passer à l'étape suivante. Ok. Donc, ça, je viens de le faire. Défense. Une tour d'archer. Waouh! Une tour d'archer. Alors, 40 secondes, ça me prend 3 ouvriers pour 300 d'or. On va mettre ça là pour l'instant aussi. 40 secondes. Ah, j'ai pas envie d'usine, jamais. On va attendre 30 secondes. Vous pouvez dépenser des couronnes pour accélérer le processus. Je suis patient, j'ai tout mon temps. C'est pas 30 secondes qui va me faire aller le plus vite. On va attendre bien sagement 30 secondes. En attendant que ça se fasse. De toute façon, je peux pas passer à autre chose. Faut attendre les. Il me reste maintenant 20 secondes. Allez. Bon, franchement, les gars, si vous aimez ce genre de vidéo, vous inquiétez pas. Du Clash of Clans, je le répète avant que. Ouais, tu fais plus de Clash of Clans? Si, je continue Clash of Clans. Si vous aimez cette vidéo, il y aura ça en plus. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait plusieurs jeux sur ma chaîne. Que du Clash of Clans, après, ça lasse un peu, je trouve. Même moi, à force de jouer, je peux pas passer. Après, au bout d'un moment, si vous savez, c'est 15 jours d'attente, je peux vous proposer des trucs à part vous montrer des astuces. Vous inquiétez pas, sur Clash of Clans, j'ai des projets à faire. Je vais avoir plein de des astuces troubles, des astuces bien farmées, des astuces bien défense, de bien défense, bien défendre et bien farmer. Voilà, on va parler bien France. Ça serait plutôt pas mal. La tour est terminée, mais avec un peu de chance, on ne vous attaquera pas. Allez savoir. Ah si. D'accord, ça bug. Attendez, les barbares nous attaquent. D'accord. D'accord, on m'a attaqué. Ma foi, ces escarmouches sont fort stimulantes. Ces pandars ne font pas le poids. Quand vous serez prêt à riposter, touchez le bouton boutique. Bah ouais, y a pas de problème, moi j'y go. Armée. Caserne. D'accord, waouh! On va faire une caserne, les gars. Caserne. C'est à la caserne que vos unités seront formées et logées. Trouvez l'emplacement idéal, puis touchez la coche verte. Ok, bon, pour l'instant, c'est bien. 30 secondes, les gars, on est marre. En attendant, il me reste deux ouvriers. Ah, mais je peux rien faire. Si le temps vous manque, je fais. Ah, franchement, j'ai pas envie de toucher à. Au GM pour l'instant, on sait jamais. Il suffit d'avoir des cabanes d'ouvriers encore, on sait jamais. Je connais pas le jeu donc je vais pas envie d'y aventurer à faire une connerie, à prendre, à dépenser toutes les gemmes, enfin toutes les couronnes, on va dire. Ça serait un peu inutile, je pense. 7 secondes, il reste. Voilà, c'est passé vite. J'ai parlé une phrase, j'ai dit une phrase et ça y est, c'est fini. Voilà, 2, 1, go, c'est bon. Le temps est venu de former votre armée, d'accord. Alors, caserne, formée. Alors, Aster, on va voir, on a des bonnes troupes quand même. Aster, capacité d'unité, je peux en faire 10. S'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut pas aller plus haut. Clash of Clans, c'est 20. 52 secondes. Non, ça me. Ah, putain! Ah, faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Touchez la croix rouge pour quitter l'écran de formation. Non, sans déconner, sérieux. Ouh là là. Alors là, j'ai cliqué là. Je peux plus quitter. Comme ça, c'est fait. Votre destinée veut que votre anéant que vous a... que vous là, on va y arriver, que vous anéantissez les barbares tribus. Qu'après tribu touchée la première fois. A priori, je sais pas si pour l'instant il y a une attaque multijoueur. Là, pour l'instant, je vois que ça. On va faire ça. Croissant fertile. Attaquer, récompense, je gagne 200 or et je gagne. Ok, attaquer. Un petit temps de chargement et tout. Ah, franchement, pas mal. La musique, elle déboîte. Écoutez-moi ça. Ah, pas mal du tout. Vraiment pas mal les styles de combat. Je vous laisse admirer. Franchement.
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le style de combat, il y a un peu de Boom-ish avec le focus. Il y a du Clash of Clans. Ah, franchement, pas mal. En tout cas, on va voir si les barbares, enfin les barbares, ce que je viens de faire, reviennent chez moi vu qu'ils sont pas morts. On va voir ça. Retour au bercail. Oulala. Il y a une excellente nouvelle, certains de vos unités ont survécu au combat, les voici de retour. Ouah! C'est trop bien les gars, franchement, ils reviennent les tribus, t'as plus besoin de leur farmer. Ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, des trucs comme ça, c'est ce qu'ils devraient faire dans Clash of Clans. Excellente nouvelle. Ok, bah voilà, pour une excellente nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Quand vous détruisez tous les bâtiments défensifs, Alvear, ces unités survivantes rengagent le village en vue d'un déploiement ultérieur. D'accord. Il n'y en a aucun qui sont morts. C'est parfait. Normalement, je peux pas en faire. Voilà. Y a aucun qui est mort. J'ai toujours mes 10. En rang. La classe. Nickel. Voilà. Le meilleur de ces votre ressources, c'est de piller la nation voisine, toucher la cité pour passer à l'étape suivante. Oulala, faut améliorer les rêves avant, non? Ah, je peux pas. Enfin, le temps est venu pour votre civilisation d'évoluer. Touchez le bouton âge de pierre. Ah, on va passer en âge de pierre là. D'accord, mais c'est pas mal. Passer à l'âge de pierre. Oh putain les gars, les vitamines. Oh, je commence à kiffer. Regardez, oh, ça évolue au fur du temps. Je passe en âge de pierre. Regardez un peu les formidables nouveautés que vous réserve l'âge de pierre. Touchez le bouton commencer. Ah ouais, récompense d'XP, 1000 points de vie, plus 200, capacité de stock à 600. Mais c'est pas formidable tout ça. Le passage est une nouvelle ère, est une consécration. Nanana. Suprême permet de débloquer les bâtiments de technologie auparavant inaccessibles. Mort de rire la musique. La 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 la. Je sais pas si c'était celle-là, mais ce que j'ai cru entendre c'était ça. Ben voilà! On évolue petit à petit, on passe à l'âge de pierre jusqu'à temps qu'on va passer en 2015 avec le petit iPhone, histoire j'envoie mes robots, tac tac tac. Non, je déconne les gars, je déconne. On va aller chasser un petit daim, vite fait. Ah, comment doit-on vous appeler? Bah, moi, tu sais très bien pas comment je m'appelle encore. Prezix! On m'appelle Prezix. Voilà les gars, bientôt Prezix. Votre nom sera trembler les cœurs aux quatre coins du monde. Continuez! Oui! Ok. Votre apogée à travers les âges ne font pas commencer à accumuler des ressources. Battez vos ennemis et développez votre nation. Touchez le bouton objectif et laissez-vous guider. Vous avez atteint l'âge de pierre. Récompense. Voilà, tac. Votre armée est prête à en dessous. Partez à la conquête d'une nouvelle province du Croisade Fertile. Récupérez l'équivalent de 300 pièces d'or. Oulala. Pas d'alliance. D'accord, il y a des alliances. Ouh là là, ça. On va chasser le daim. Chasser. M'en reste 3. Ah, ça, c'est un gros cerf, ça. D'accord, ça, c'est un gros cerf. L'autre, il est en train de se faire allumer là-bas aussi. Ça y va à coup de lance, là, en fait. Là-bas, il est mort. Allez, les hommes de Cro-Magnon. Voilà, ça que je veux, l'être. Plus d'infos, mise en garde des serveurs, mise à niveau des serveurs, détacher plus d'unités, blablabla, blablabla. Ah, ça c'est à voir. Donc, là j'ai 6 ouvriers. Ah, mais. J'ai 6 ouvriers en plus. Maison, ça peut pas s'évoluer. Ça, il me faut 2000. Ah ouais, il me faut 2500. Donc, il faut que je fasse. On va extraire de l'or. Ça, on va déblayer. 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 Ça, on va le mettre là pour le moment. Avec une maison dans chaque coin, je pense. On va faire ça bien pour l'instant. Je sais pas comment on va s'organiser.
va s'organiser les gars. On va s'organiser. Voilà, dépêche-moi ça. Comme ça je peux mettre mon truc là. Ah là 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 là, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, go. Voilà. Voilà. Là, c'est plutôt... On va mettre ma mine d'or là. Ça me fait une un bon petit village. Donc ce qu'on va faire... 1500. On va les rattaquer une fois. 400, 400, ok. On va voir ce que ça donne. Et après, je pense qu'on arrêtera là pour cette vidéo, les amis. Alors, c'est parti. Pas mal. Franchement pas mal le style tête de combat, c'est bien vivant. 85%, 100%. Hein? Hein? Marchandises raflées. Ah j'ai eu ça. Plus unité survivante. J'ai perdu une unité. D'accord. Eh ben écoutez les gars, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Pas mal. Ça on va déblayer. Aïe. J'ai quoi? J'ai gagné quoi? Récompense. Ah. Allez hop. Récupérer canon de 300 pièces d'or. Ouais. On va reformer. Hop. On en reforme un seul. Et puis théoriquement, on va chasser un peu. Et puis on va s'arrêter là les amis. Donc voilà. Donc franchement n'hésitez pas. Attends, c'est quoi ça? Marchandises. Ah donc il m'en faut un de chaque. Max 4 de chaque. Ok, on verra ça un peu plus tard. Ah, un truc en plus, voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh, attendez, encore une fois. Récompense. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, j'espère qu'en tout cas, ce nouveau jeu, pour ceux qui connaissent pas, vous a plu. Moi, j'ai découvert ça par le biais de mon grand frère, par le biais de d'autres personnes aussi qui m'en parlé vaguement. Mais on m'en a parlé, on m'a dit, écoute, ouais, mon frère m'a fait, écoute, frérot, écoute, faut que t'essayes ce jeu, il est formidable. Ça mélange Clash of Clans et Boom-Mich. Propose-le à tes abonnés, fais des vidéos dessus, et tu m'en diras les nouvelles. Mais écoute, je t'en dis des nouvelles, frérot. Franchement, pour l'instant, le jeu me plaît. Me plaît. On va pas dire qu'il me plaît énormément. Il me plaît, ça va. Reste à suivre après le reste. On verra comment ça se passe. Si le jeu est lassant au fur du temps ou si ça fait comme Clash of Clans, il est prenant. On verra comment ça se passe. Voilà. Donc en tout cas, j'espère qu'en tout cas, j'arrête. Ça vous a plu? N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. À mettre un like, un dislike, à vous abonner si c'est pas fait, à me rejoindre sur ma page Facebook les amis, ça me fera énormément plaisir. Et encore, franchement, et encore, je vous dis bientôt 4000 merci, je suis déjà à 4000 abonnés. Je sais pas comment vous remercier les gars, ça va tellement tellement vite. Je me rappelle déjà que j'étais déjà à 1000, je suis passé à 2000, 3000, il y a pas si longtemps, je suis déjà à 4000 les amis. Franchement, 4000 c'est pas rien, c'est énorme, 4000 personnes les gars. Ouais, c'est franchement, ça fait zizir les copains, ça fait zizir les copains que vous me souteniez comme ça, ça fait zizir que vous soyez tous là, je vous aime. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'est l'essentiel, et restez surtout comme vous êtes, à bientôt, peace les gars.